Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'info. Et l'info au Sud Radio du jour, ce sont les festivités de la Saint-Nicolas qui ont démarré. Et ce matin, il est donc présent dans nos studios pour apporter les bonbons aux enfants sages. Bonjour les petits enfants, c'est moi, c'est Nicolas Sarkozy. Oui. J'ai mis mon beau petit costume rouge de la CGT pour venir vous voir. Tout mignon. Bon, toi là-bas, la tête est sèche cette année, comment tu t'appelles ? Oui, bonjour, François Fillon. Cette année, personne n'a entendu parler de moi. Avec Pénélope, on n'a même pas traversé la rue pour aller chez Pôle emploi fictif. Hein. Très bien, François. Attention, si tu avais fait une connerie, je l'aurais su grâce au canard enchaîné. Tiens, voilà pour toi un paquet de bonbons fictifs. Voilà. Saint-Nicolas, il y a aussi le petit Christophe qui est impatient de vous rencontrer. Moi, Christophe Castagnette, je n'ai rien fait de mal, mais j'ai tout fait de travers, à l'intérieur comme à l'extérieur. Est-ce que j'ai quand même droit à quelque chose ? Écoute, j'ai plus de pain d'épices, mais attends demain, ce sera la distribution des pains dans la gueule. Saint-Nicolas, vous avez oublié, il y a un dernier petit enfant à féliciter là. Oh non, pas le petit Macron avec son bonnet d'âne. Attendez, vu le nombre de conneries qu'il a fait cette année, il faut plutôt lui envoyer le père Fouettard. Hein. Oui, bonjour, c'est Nescu. Ah, Nescu. À mes heures perdues, je suis aussi père Fourreur et père Fouettard. Ah, mais c'est mignon. Oh, mon petit Macron, il paraît que t'as pas été sage. Pardon de vous le dire, père Fouras, père Fouettard, il est vrai que j'ai fait quelques grosses boulettes avec les Français, surtout à cause de mon premier ministre, Édouard Fusible. Mais on a retenu la leçon, d'ailleurs mon nouveau parti s'appelle désormais En Marche Arrière. Ah ouais. Alors père Fouettard, c'est bien, Emmanuel reconnaît au moins ses erreurs. Oui, je vais quand même devoir le punir. Oh, dis donc. Oui, car il était très vilain et plein d'arrogance. Ouh, vilain, vilain. Allez Manu, répète après moi, trop de taxes, ça fait mal au cucu. Plus fort, trop de taxes, ça fait mal au cucu. Eh oui, c'est ça l'esprit de Noël. Ah oui, c'est un ça. Président qui nous fait pas de cadeaux et un gouvernement qui sent le sapin. Hein. Ah, c'est ça. Merci DSQ. C'est le moment de retrouver bien sûr notre ex-président préféré qui est François Hollande et ses bons plans du week-end. On adore. Bonjour, bonjour. C'est moi le lanceur d'alerte en Wi-Fi. Oui. Mais j'en profite pour saluer nos amis de Lyon et Strasbourg qui nous écoutent en DAB+. Oui, on les embrasse d'ailleurs. Voilà, je précise que je n'ai pas touché d'argent pour faire cette promo à l'antenne. Hein. Ce week-end, dans les bons plans chiants de Fonfon, je vais au concert de Maria Carré pour sa tournée All I Want For Christmas Is You. Oh là là, quel accent. Traduction, ce que je veux pour Noël, c'est toi. C'est exactement ce que vont dire les gilets jaunes demain à Macron en déboulant à l'Élysée. Ouais, ouais. Mais dites-moi, Dangala, cette semaine, on apprend que vous auriez proposé à Ségolène Royal de vous remettre ensemble alors que vous étiez encore avec Valérie Trierweiler. Oui, c'est exact. Vous savez, Ségo et moi ont formé un couple tellement complémentaire. Moi, je suis resté bigame et elle est toujours bas de gamme. Vous êtes toujours. J'imagine que ce week-end, vous allez regarder le Téléthon quand même. Bien sûr, pour qui tu me prends, pour tétraphobe. Mais bien sûr que je vais regarder. Je vais même donner au 36-37 car c'est très important de rester mobilisé pour qu'un jour, on arrive enfin à se débarrasser de ce parasite qui enquiquine des milliers de gens qui n'ont rien demandé. On parle bien sûr de la mucoviscidose. Non, je vais parler de Nagui. Mais qu'est-ce qu'il est chiant, hein, c'est pas possible. Et comme chaque vendredi, on retrouve bien sûr le top de lecture en chanson et on démarre avec celui qui nous quittait il y a un an, Johnny, qui revient avec nous pour nous hanter avec son disque d'or pour Laetitia. Ça fait un an que je suis parti chanter le blues au paradis. Mon héritage reste colossal, mais pour David et Laura, que dalle. Nouvel album, j'en vends des caisses, c'est le pactole pour ma gonzesse. Pour Laetitia, je chante encore. Tu chantes encore. Je suis sa tirelire, son coffre-fort. Son coffre-fort. Mon pays, c'est l'amour de Johnny. Y'a que mes fans qui l'ont compris. Merci Johnny, et on continue ce top de l'actu avec Pascal Obispo, qui parraine cette année le Téléthon. Lucie, sois chouette. Sors tes pépettes, appel direct, le 36-37. Un enfoiré dans ton salon, c'est Obispo qui s'occupe du Téléthon. Action pour Téléthon, donnant, on compte sur vous pour les promesses de temps. Tiens bon, si tu n'as plus un rang, on va demander du pognon à Macron.
patron. Pas mal. Et pour conclure ce top de l'actu, on retrouve Christophe Willem qui rentre dans la danse avant la grande fièvre de jaune de samedi. Quand je serai pas président, tous à la Bastille avec nos gilets à paillettes, on va lui faire sa fête au petit marquis. Comme en mai 68, on bat le pavé, le petit peuple est remonté. Quatrième tour de piste, Macron va faire une jaunisse. Saturday Night Fever. C'est la foule qui s'agite. Pardon de vous le dire, il n'y a plus d'abonnés au numéro demandé. Saturday Night Fever. Jupiter en orbite. Désolé, faut voir ça avec mon Édouard Fusible. Saturday Night Fever. Et il va finir en slip. Je m'en fous, ok, parce que de toute façon, j'en mets jamais. Saturday Night Frayeur. Même pas peur. Et bien sûr, vous pouvez retrouver ce disque pour Noël, hein, dis donc, Dany Moreau. Et on remercie bien sûr Mario Santangeli pour la réalisation musicale, Natacha pour les chœurs, ainsi que les co-auteurs des textes de Danick, Raphaël Vaubin et Eric Zaccaron, avec la complicité de Valentin Doyen. Et oui, vous êtes où ce week-end, Dany, vous faites quoi? Je serai dans le cadre du Téléthon, parrain du plateau d'artistes Comedy Queen. Voilà, c'est à la salle Léo Lagrange de Beaumont-sur-Oise. Voilà, c'est demain soir à 21h, voilà, donc venez nombreux, 17 artistes sur scène avec des humoristes, des clowns, des magiciens, c'est 10 euros seulement l'entrée et c'est reversé au profit du Téléthon. Voilà, si vous voulez toucher Dany Moreau, le caresser, l'embrasser, le lécher, et ben voilà, restez avec nous, il est 8h25, vous le retrouvez bien sûr en podcast et sur sudradio.fr.